Attention, la forêt amazonienne brûle. 200 000 km² de forêt sont réduits en cendres chaque année. C'est la moitié de la France qui part en fumée tous les ans. Si cette destruction continue, dans moins de 10 ans, il ne restera plus rien. L'Amazonie est le plus grand régulateur du climat mondial. Si elle disparaît, les scientifiques donnent 20 à 30 ans à notre planète pour être totalement déstabilisée. Récemment, une grande campagne médiatique a été organisée pour sauver l'Amazonie. On a même vu l'Indien Raoni plaider sur TF1 pour sa forêt et pour son peuple. Au XIXe siècle, les grands chefs indiens comme Geronimo ou Sitting Bull se battaient contre les Blancs parce qu'ils refusaient d'être confinés dans des réserves. Aujourd'hui, les Indiens viennent supplier les Blancs de tout faire pour qu'on leur accorde le droit d'avoir une réserve. C'est hélas pour eux l'unique possibilité de survie. Au Brésil, d'autres hommes qui ne sont pas des Indiens défendent aussi la forêt amazonienne, car ils en vivent également. On les appelle les seringueros, c'est-à-dire ceux qui saignent les EVA pour en recueillir le latex. Depuis l'invention du caoutchouc synthétique, ils vivotent misérablement. Pourtant, ils aiment leur métier et ne veulent pas le voir disparaître. Francisco Mendes, surnommé Chico, était leur chef, leur leader syndical. Il avait entrepris une lutte politique sans merci contre les grands éleveurs qui brûlent la forêt pour la transformer en pâturage. Alors on l'a abattu. Aujourd'hui, il se passe avec Chico Mendes ce qui s'est passé jadis avec Jaurès. Souvenez-vous, on ne disait pas « Raoul Villain a tué Jaurès », mais « Ils ont tué Jaurès ». Au Brésil, ce sont Darcy et Darly Alves da Silva qui ont abattu Chico Mendes. Mais pour les Brésiliens, ces deux individus ne sont que les instruments d'une conjuration. C'est pourquoi ils disent aussi « Ils ont tué Chico Mendes ». Quel était cet homme qui dut être assassiné pour connaître la célébrité internationale et surtout, pourquoi l'a-t-on tué? C'est ce que vous allez savoir maintenant en regardant le reportage poignant de Jean-Luc Blin et de Tony Comiti. Nous sommes dans le far west brésilien, aux confins de l'Amazonie, dans l'état d'Acre, à quelques kilomètres de la frontière bolivienne. Chapuri, 3000 habitants, des baraques en bois couvertes de tôle. Il fait chaud, trop chaud. Dans cette ville, la mort rôde depuis des années et les crimes restent impunis. Impossible de faire respecter la loi, ici au cœur de la forêt amazonienne. Les pistoleros, les tueurs à gages, tiennent la place et font régner la terreur. Le 22 décembre 1988, des coups de feu claquent une fois de plus à Chapuri. Mais cette fois, ils ont été trop loin. Ils ont assassiné un petit syndicaliste brésilien de 44 ans, marié, deux enfants, abattu à bout portant comme des dizaines d'autres syndicalistes avant lui. Ce jour-là, le 22 décembre, ils ont tué plus qu'un homme. Ils ont éliminé un symbole. Chico Mendes, le défenseur des pauvres et des opprimés, et le protecteur de la forêt. J'ai toujours été seringueiro. Mon père l'était déjà avant moi. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans. J'ai travaillé exclusivement comme seringueiro pendant 20 ans.
Ce n'est qu'en 1975, quand les grands propriétaires terriens ont colonisé la région, que je suis entré au syndicat. À partir de ce moment-là, j'ai saigné beaucoup moins d'arbres. Contre la dévastation de la mata, contre la expulsion de l'homme et sa troca pelo boi, pela création de réserves extractivistes. Cette lutte syndicale pour défendre la forêt amazonienne va durer 13 ans, mais un jour, Chico Mendes devient trop gênant. Il était environ 6 heures du soir. Chico était à l'intérieur de la maison. Le bandit, lui, était caché là, dans le coin de la salle de bain. Chico a pris une serviette et quand il a ouvert la porte, ils lui ont tiré dessus. Une balle est passée là. Toutes les autres balles l'ont touché à la poitrine, sur le côté. Il y a encore des traces de sang là, sur le mur. Au Brésil, la lenteur de la justice et la corruption permettent trop souvent de sauver les tueurs. À Chapuri, un portrait robot avait été diffusé. Tout le monde connaissait les coupables. Il a pourtant fallu la pression de la foule pour que la police daigne à les arrêter. Darly et Darcy Alves da Silva, le père et le fils, grands propriétaires terriens, sont écroués. Aujourd'hui, le juge auditionne toujours les coupables. 6 mois auparavant, lors de son arrestation, le fils Darcy, qui ne portait pas encore la barbe, avouait devant les caméras brésiliennes. Mon père avait acheté une plantation d'EVA qui s'appelait Cachoeira. Dès qu'il l'a su, Chico Mendes a voulu l'empêcher de déboiser. Il a réussi à faire exproprier mon père par le gouvernement. Après, il a encore continué à vouloir le faire poursuivre par la justice. C'est pour ça que je l'ai tué. Bien avant cette affaire, Chico Mendes savait qu'il allait mourir. Nous sommes en très grand danger. Beaucoup de compagnons ont déjà été tués et il y aura encore beaucoup de victimes. Je suis avec une douzaine d'autres sur la liste noire des assassins. Nous ne devons pas nous laisser tuer. Parce qu'après la mort, nous ne pourrons plus lutter. Les cadavres ne servent à rien. La ville entière connaît les menaces qui pèsent sur Chico Mendes. La police ne peut continuer à faire la sourde oreille et lui affecte 2 gardes du corps. Leur attitude le soir du meurtre laisse planer des doutes. C'est très étrange. J'en arrive même à penser que les gardes du corps étaient dans le coup. Parce qu'au moment où on a tiré sur Chico, je suis revenue dans la salle à manger. Et je les ai vus se mettre à courir. Ils m'ont bousculé pour sauter par la fenêtre et s'enfuir. La police militaire est toute proche. Nous y avons retrouvé l'un des 2 gardes du corps de Chico Mendes qui nous raconte sa propre version des faits. Le type lui a tiré dessus. Aussitôt, on a transporté Chico Mendes jusqu'à la porte de la chambre. Il est tombé mort. Mais la femme de Mendes nous a dit que vous étiez enfui. Non, moi je suis parti, mais le soldat Roldaan est resté sur place. Le soldat Roldaan, le 2e garde du corps, c'est celui que vous voyez. On nous avait d'abord dit qu'il était absent de la ville pour la journée. Il a refusé de nous rencontrer. L'attitude de la police est décidément troublante. Il y avait 2 policiers assis devant la porte du commissariat au moment du meurtre. Je suis sortie en criant. Lorsqu'ils m'ont entendu, ils ont tourné la tête de l'autre côté. Ils ne m'ont même pas regardé. Conspiration ou règlement de compte personnel, en tout cas le passé de la famille aurait facilement permis de faire des Da Silva que voici des tueurs à gages. On leur attribue beaucoup de crimes, au moins 10 à 15 assassinats. On dit également que le grand-père aussi était un criminel.
Si on vous offense, qu'est-ce que vous faites? Alors là... Si je l'attrape... Je le tue. J'ai 86 ans. Tant que je serai en vie, mon honneur sera sauf, quoi qu'il arrive. Quelqu'un a-t-il déjà touché à votre honneur? Occupez-vous de ce qui vous regarde, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Avant la mort de Chico Mendes, le climat était déjà très tendu dans la ville. Les homicides étaient courants, tout semblait paisible. Soudain, un, deux assassinats. Ici, c'est comme une cocotte minute, prête à exploser à n'importe quel moment. C'est le calme avant la tempête. Chapoury, c'est un cul-de-sac, la route ne va pas plus loin. Une épicerie, 15 cafés et le bal du samedi soir pour seule distraction. Une ville où règne la loi du plus fort, où des assassins récidivistes tiennent le haut du pavé, toutes les conditions d'un banal fait divers tropical étaient requises. Pourtant, prendre l'affaire Chico Mendes pour un simple fait divers serait ignorer le combat de cet homme. Les grands propriétaires terriens essayent de prendre tout le pays, mais nous ne les laisserons pas faire. Notre lutte, c'est la défense des arbres à caoutchouc et des châtaigniers dont on ramasse les fruits. Même nos traditions et notre culture sont menacées. L'Amazonie a été peuplée par nous, les Seringueros, au siècle dernier. Nous nous battrons jusqu'au bout et nous ne laisserons pas détruire nos forêts. Dans ce combat inégal, les hommes de la forêt s'opposent aux propriétaires terriens. Au Brésil, 93% des terres appartiennent à 7% de la population. La propriété mienne ici a 10 022 hectares. Ma propriété fait 10 022 hectares. 40% des terres sont des pâturages sur lesquels on élève des bovins pour la viande de boucherie, pour la consommation régionale et pour l'exportation. De l'autre côté, ils sont 66 000 seringueros. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui récoltent le latex en saignant les EVA, les arbres à caoutchouc. Ils habitent à des heures de Chapoury au fond de la forêt. L'un d'entre eux, Luis, vit perpétuellement dans la hantise d'être tué comme l'a été Chico. Lui aussi est sur la liste noire et ce n'est qu'arrivé chez les siens qu'il se considère en sécurité. Je ne possède aucune terre à moi. Je n'ai aucun hectare. Disons que j'exploite des EVA que j'ai localisés dans des endroits précis de la forêt. Mais rien n'est délimité sur un papier officiel. Nous ne possédons rien. C'est pour ça que les grands propriétaires veulent nous tuer tous. Parce que nous, quand nous ne serons plus là, ils pourront tout brûler. Grâce à notre travail, nous avons atteint notre but, implanter l'élevage ici, dans la région. Avec le temps, on va pouvoir mécaniser les cultures, planter du soja, produire des céréales. C'est ça dont le monde entier a besoin. Je pense que c'est ce que le monde nécessite, non?
Ce qui fait l'importance de la forêt pour nous, c'est que dans la forêt, on trouve tout ce dont on a besoin pour vivre. On peut planter, on peut chasser des petits animaux, on trouve tout ce qu'il faut pour manger. On peut même cultiver aussi le maïs, le riz, les haricots. On élève des poules et des cochons. Alors qu'en ville, il n'y a pas de place pour nous, les pauvres. Les grands propriétaires, eux, vivent en ville. Ils ne vont dans leur ferme que pour vérifier le travail ou passer le week-end. Cela fait 35 ans que Juan et Luis font ce métier de seringuero. Leur vie quotidienne est la même depuis toujours, lever 4 heures, coucher très tard dans la nuit. Pour survivre, chacun d'entre eux a repéré 2 ou 3 pistes, longues de 20 ou 30 km chacune, jalonnées des VA. Ils doivent enseigner 150 ou 200 par jour pour vivre. Ils font les entailles à l'aller et récoltent le latex au retour. C'est difficile de savoir ce que je dépense exactement. C'est cher d'entretenir une ferme comme ça. Je ne peux pas vous dire exactement combien ça rapporte. Je gagne 350 francs par mois. Les 150 kilos de latex qu'on récolte par mois nous donnent à peine de quoi manger. Si nous, nous voulons acheter des vêtements ou autre chose, il faut faire des économies pendant plusieurs mois. Mais je préfère avoir moins et rester seringuero que d'être employé dans une grande exploitation. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup de seringueros. Ils ont eu beaucoup de chance que nous soyons là. Nous leur avons donné la possibilité de changer d'activité. Ils ont eu une nouvelle option de vie. Avant nous, ils vivaient primitivement comme des Indiens. On est né et on a élevé nos enfants en saignant les EVA. Si on n'a plus ça, de quoi va-t-on vivre? On ne peut pas aller vivre en ville. Nos garçons risquent d'y devenir des marginaux, nos filles des prostituées. Ici, on peut s'en tirer, mais il faut sauver la forêt et on lutte pour ça. Cette région offre beaucoup de possibilités. Elle promet énormément dans l'avenir. Il faut qu'on continue à la développer de plus en plus. Et je veux que mon fils continue ce que j'ai commencé. Est-ce que vous avez peur qu'on tue votre fils, puisqu'il sera un seringuero et que les grands propriétaires terriens font des problèmes aux seringueros? Oui, j'ai peur. Mais que faire? S'il est tué, tant pis. Si on part, ce sera pire. Il faut qu'on résiste. Et tant qu'on vivra, on résistera. Ici, on tire aussi sur les enfants. Celui-ci a reçu 7 balles dans le corps, celui-là 2. Ici, à Chapouri, en l'espace d'un an, on a tué Delmar Veloso, un syndicaliste. Nego Tiburcio, un commissaire de police qui nous était favorable. Zé Pretinho, un prêtre. Ivaïd. Chico Mendes.
Upo, Ceará. Au Ceará, tous seringueros et bien d'autres encore. 18 morts en tout en un an à Chapuri. Le 18 juin 87, le compagnon Ivaï est mort sur la route dans une embuscade. Et récemment, un autre est mort de la même manière. Voici ses enfants et sa veuve. Les derniers mots qu'il a dit avant de mourir étaient pour ses enfants, parce qu'ils allaient se retrouver seuls. À cette époque, Chico Mendes ne savait pas que la prochaine balle serait pour lui. C'était notre père, notre Dieu, Chico Mendes. C'est lui qui nous défendait des mauvais gens. C'était Dieu et Chico qui nous défendaient. Maintenant que Chico Mendes n'est plus, nous ne savons pas comment nous allons pouvoir continuer à vivre. Chico Mendes se battait pour l'honneur des seringueros, un métier qui avait eu ses heures de gloire au début du siècle. En 1900, c'est le boom du caoutchouc. Tout le monde en veut, on ne jure plus que par Manaus. Cette petite bourgade brésilienne devient le Wall Street du latex. On y traite par téléphone avec les bourses du monde entier. Les tramways de Manaus sont parmi les premiers du monde à être électrifiés. On y importe les plus belles toilettes de Paris ou de Londres pour sortir à l'opéra ou au théâtre. Puis, la Malaisie se met à lever à culture, le prix du caoutchouc chute et Manaus sombre dans l'oubli. La voie ferrée de 350 km de long, construite pour transporter le latex, est abandonnée. 6000 ouvriers sont morts pour rien en la construisant. Un destin aussi dramatique que celui de Chico Mendes, qui savait sa profession condamnée par le caoutchouc synthétique, mais qui continuait à lutter pour qu'elle survive. Ces mots derrière moi signifient que nous luttons contre la destruction de la forêt, non seulement pour le bien de ceux qui en vivent, mais aussi pour le bien de l'humanité tout entière. Chico Mendes n'était pas aussi important que ça dans sa communauté. La presse internationale l'a transformé en un mythe parce que, partout dans le monde, l'écologie est à la mode. En 87, l'ONU attribue à Chico Mendes le prix global de l'écologie. Cette prise de conscience internationale est effectivement la vraie raison de la mort de Chico. Les occupations de fermes pour stopper le déboisement ne sont rien comparées à l'ultime combat de Mendes, empêcher la construction de l'autoroute BR-364 qui devait relier Brasilia à Lima au Pérou en passant par Chapuri. Chico, cette route peut améliorer le sort des seringueros? Cette route est une menace contre les seringueros et l'Amazonie. Cette autoroute a été faite uniquement pour les grands propriétaires terriens. Si cette route avait été achevée, les grands propriétaires terriens de l'Acre auraient pu, par la spéculation, multiplier la valeur de leurs terres par 100. Dans l'état voisin, le Rondônia, où la première partie de l'autoroute est déjà terminée, 20% des zones forestières ne sont plus que cendres. Lors des brûlis, le nuage de fumée faisait 5 fois la surface de la France. Et à la suite de cela, par le fait de l'érosion, 1,5 million d'hectares sont devenus complètement stériles. Des milliers de seringueros ont fui vers les cités grossir les bidonvilles. La Banque mondiale a payé 1,5 million de dollars pour la construction du premier tronçon de l'autoroute. Et en mars 87, Chico Mendes, soutenu par des associations écologiques internationales, part à New York, plaider pour que cesse le financement de la route. J'espère que les gouvernements qui donnent de l'argent à la Banque mondiale, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon ou l'Europe, vont entendre la plainte des seringueros. Autrement, notre forêt sera définitivement détruite.
À Washington, Chico rencontre le sénateur américain Costin. Ce dernier, convaincu de la valeur de ses arguments, décide de l'aider. Il rédige une lettre à la Banque interaméricaine de développement qui ajourne le financement de la route. Chico a gagné, mais il vient aussi de signer son arrêt de mort. Immédiatement après l'assassinat de Chico Mendes, l'UDR, l'Union démocratique rurale, le syndicat des grands propriétaires terriens, est mis en accusation par la presse brésilienne et la presse internationale, malgré les aveux de la famille Alves da Silva. La police, elle-même, pense que la mort de Chico a fait l'objet d'un contrat. Parallèlement au meurtre, nous avons ouvert une enquête pour trouver si des financiers l'ont commandité. En particulier, nous pensons aux fermiers membres de l'UDR. L'UDR n'a rien à voir avec cette histoire. Ce qui se passe, c'est que la gauche, le Parti communiste, nous accuse. Mais ce n'est pas du tout vrai. D'abord, le crime a déjà été éclairci. La police a déjà arrêté les coupables, donc le problème est résolu. Tout ça, c'est une campagne de l'Église contre le progrès. Notre crime à nous, c'est de travailler, de progresser. Nous, nous sommes venus ici pour produire, pour travailler et vivre du fruit de notre labeur. Les problèmes politiques ne nous intéressent pas. L'affaire Mendes est un fait isolé. D'abord, je n'ai aucune opinion à ce sujet. Il y a beaucoup de monde impliqué dans cette histoire. C'est sûr que Darly est dans le coup, mais il n'a pas agi tout seul. Il y a énormément de gens impliqués dans la mort de Chico. Tous les gens qui sont impliqués sont de l'UDR. Ce sont tous des gens de l'UDR. Qui sont ces gens de l'UDR, Union démocratique rurale, que la femme de Chico Mendes accuse d'être les commanditaires du crime? Juste après la publicité, vous découvrirez ces hommes fortunés qui possèdent 90% des terres, et vous verrez aussi que dans ce Brésil, grand comme 16 fois la France, des paysans confinés dans des camps vivent, faute de lopins à cultiver, comme des réfugiés dans leur propre pays. Rendez-vous donc dans quelques instants pour connaître la suite de « Ils ont tué Chico Mendes ». Est-ce que vous êtes de l'UDR ? Négatif. Je ne connais pas cet organisme. Darly da Silva, inculpé avec son fils pour le meurtre de Chico Mendes, ne peut ignorer l'existence de l'UDR, le tout-puissant syndicat d'extrême droite des grands propriétaires terriens. Le contrat pour tuer Chico a rapporté 2000 francs à la famille da Silva. D'où vient l'argent ? Qui couvre-t-il par son silence ? Toutes les accusations se tournent vers l'Union démocratique rurale, vers ceux que vous voyez là. Ils sont tous grands propriétaires et membres du syndicat. Jusqu'à ce jour, ils avaient refusé toute déclaration à la presse. Chico Mendes a transgressé la loi brésilienne. Il a été tué parce qu'il l'a cherché. La personne accusée de sa mort, ce qui n'est pas prouvé d'ailleurs, a été attaquée plusieurs fois avec des armes par Chico Mendes. En plus, il a voulu lui porter préjudice en se servant contre lui d'informations qui dataient de 15 ou 20 ans. Les informations en question utilisées par Chico Mendes sont en réalité les avis de recherche de la police pour de nombreux crimes de sang commis par les da Silva dans d'autres états du Brésil. Par ailleurs, la responsabilité de l'assassin n'est plus à prouver, il l'a lui-même avoué. La technique de défense des grands propriétaires est simple, faire croire qu'ils ignorent tout de l'affaire.
Je ne sais pas si c'est Darcy l'assassin. Ça, c'est la presse qui le dit. La presse dit aussi que l'UDR et les grands propriétaires sont responsables. L'un d'entre nous, je veux bien, mais pas nous tous. Eu acuso neste momento a UDR de ser a mentora intelectual de todos os crimes. J'accuse l'UDR d'être l'instigateur intellectuel de tous les crimes commis contre les paysans. Que são muitas. O ano passado nós contamos no nível do. L'année dernière, il y a eu 93 morts parmi les syndicalistes. Des hommes, des femmes, des prêtres, des religieuses. 93 morts. São demais. Derrière le mouvement des seringueros, il y a des gens qui veulent créer un climat de terreur ici. En fait, ce mouvement vise à faire croire à l'opinion publique que les grands propriétaires sont des terroristes. L'UDR a en partie raison et en partie tort. Mais si combattre l'UDR, ça veut dire rechercher la justice, alors oui, nous sommes responsables. L'UDR représente la partie privilégiée de notre société. Et ce qui est révélateur, c'est que depuis 1985, date de création de ce syndicat, les meurtres ont augmenté. À l'UDR, ils ont un groupe d'avocats qui protège les grands propriétaires. Et lorsqu'un pistolero qui a tué un paysan est arrêté par la police, immédiatement, ils le font libérer. Cet avocat, membre de l'UDR, est celui de Darly da Silva. C'est lui qu'il défendait déjà dans le procès contre Chico Mendes lors de la création d'une réserve écologique à Chapuri. Nous fêtons la victoire des Seringueros. Nous avons réussi à obtenir la première réserve écologique d'EVA à Chapuri. Nous avons besoin de beaucoup plus de réserves encore. Cette victoire nous encourage à poursuivre notre lutte. Lorsque Darly a voulu déboiser une partie de son terrain, Chico Mendes et 200 seringueros l'ont empêché d'entrer dans sa propriété. Ça a créé un grand tumulte qui s'est transformé en dispute personnelle. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux, pour la première fois, l'un d'entre eux s'est trahi. Alors que tous, depuis le début, affirmaient ne pas connaître la famille da Silva. Regardez bien la scène, ils ont senti le danger, ils veulent arrêter le tournage. Partout, les grands propriétaires sont sur la sellette. Les 14 et 15 mars 89, c'est la grève générale. À Belém, le mot d'ordre est de sauver la forêt, et comme partout ailleurs, on exige la réforme agraire maintenant, tout de suite. Nous sommes au Brésil, au pays de la fête, mais attention, derrière ces revendications bon enfant, la colère couve. Si dans le nord, Chico Mendes a réussi à sauvegarder quelques réserves pour les seringueros, au sud du pays, des milliers de paysans sans terre vivent dans le dénuement total. Ils sont parqués dans des camps depuis des années, réfugiés dans leur propre pays. Ces gens, pour la majorité des petits blancs, connaissent un sort pire que les exilés, car aucun organisme international ne leur vient en aide.
Ce que vous voyez au loin, c'est une grande plantation de soja qui appartient à un grand propriétaire. Nous, les petits paysans, nous plantons juste pour survivre, tandis qu'eux, ils plantent pour l'exportation. Notre histoire est très longue. Elle a commencé le 22 novembre 1987, lorsque le gouvernement nous a promis que des milliers d'entre nous recevraient de la terre. Mais le gouvernement n'a jamais tenu sa promesse. Si le gouvernement organisait une colonisation des terres improductives dans tout le pays, nous n'aurions pas tous les problèmes que nous avons dans le sud. Le Brésil est immense, il y a de la place pour tout le monde. La production que nous avons ici est ce qui maintient la nation debout. Nos propriétés sont productives, alors nous n'admettrons en aucune façon qu'elles soient agressées. En plus, nous savons très bien que derrière ce mouvement, il y a des intérêts qui ne sont pas clairs. Nous avons organisé un mouvement et décidé d'occuper des terres improductives pour pouvoir montrer à la société brésilienne que l'unique solution pour nous, c'est d'avoir de la terre. En fait, c'est la réforme agraire. Inspirés par l'exemple de Chico Mendes, les paysans sans terre ont essayé de faire valoir leurs droits. Mais contrairement à lui, leur désespoir était tel qu'ils ont eu recours à la violence. 1500 paysans affamés ont envahi une ferme dans le Rio Grande do Sul. 1000 soldats de la police militaire les ont repoussés. De nombreux blessés, mais miracle. Ce jour-là, le 12 mars 89, à Cruz Alta, il n'y a pas eu de mort. Ce sont les armes des paysans sans terre qui ont envahi la fazenda Santa Elmira. Remarquez la différence de taille entre les deux. Cette arme a été utilisée par un enfant. Regardez bien sa taille. On a vu des enfants avec ce genre d'objet dans les mains. Ça fait peur. Des enfants déjà violents. Imaginez-vous, c'est vraiment préoccupant. Depuis qu'on est dans cette région, où les gens de l'UDR sont très puissants, beaucoup d'enfants sont morts. Certains ont été empoisonnés par des produits pesticides, largués par les avions des grands propriétaires. 6 enfants ont péri intoxiqués dans ce camp. Mon petit garçon est mort. Il avait 9 mois. L'avion a lancé les pesticides à midi. Et il a commencé à être malade à 9 heures du soir. Il a tout de suite eu de la fièvre. Je l'ai emmené à l'hôpital. 2 jours après, il n'arrivait même plus à téter. Nous ne faisons que défendre ce qui est décent. La propriété privée, la technologie, la production, tout ce que nous pouvons obtenir par notre travail. La Bible elle-même dit qu'il faut défendre ce qui vous appartient.
Bénissons cette nourriture. Elle nous a été envoyée par des compagnons parce que nous n'avons plus nous-mêmes la possibilité d'en produire. Pour ça, chantons. La préoccupation de l'Église du Rio Grande do Sul et du Brésil tout entier est de lutter en faveur de la vie. La lutte pour la terre, c'est la lutte pour la survie d'une grande partie de la population brésilienne. Il y a 10 millions de paysans sans terre au Brésil. La terre est vitale pour eux. L'Église est à leur côté pour leur venir en aide et animer leur combat à partir de leur foi en Jésus-Christ. Il était un homme très bon, un homme qui faisait le bien. Il est mort sur la croix. C'était le Christ qui a donné jusqu'à ses dernières gouttes de sang. Et de là sont nés des milliers de communautés qui luttent pour la fraternité. Nous pensons que celui qui donne sa vie pour la justice est un martyr. Ça, c'est notre nouvelle vocation en Amérique latine. Chico Mendes est le martyr de notre Église d'Amérique latine. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de défendre les droits de ces pauvres gens, mais aussi de conquérir avec eux un niveau de vie plus digne. Le mouvement des sans-terres a un fond idéologique. Ils sont manipulés par des gens de gauche qui veulent transformer le Brésil capitaliste en un pays socialiste et même communiste. Ceux qui manipulent le plus, ce sont les gens de l'Église catholique progressiste. J'ai peur, car à travers ce genre d'événements, on peut voir que l'avenir du Brésil n'est pas bien équilibré. On ne peut pas vraiment travailler et produire en paix sans risquer d'être atteint dans ce que l'on estime par-dessus tout, nos biens et nos propriétés. Je pense qu'il faut faire la réforme agraire, mais après avoir sélectionné les gens qui méritent de posséder la terre. Ce n'est pas l'État qui a vocation à faire la réforme agraire, seule l'initiative privée a la possibilité de le faire. Surge aí a nova veia, o novo sangue desse Brasil. Nous représentons le sang nouveau patriotique et nous espérons que ce même développement que nous avons ici arrive à la région nord du pays, à notre Amazonie, à travers nos enfants. C'est exactement ce que ne voulait pas Chico Mendes. Si aux élections présidentielles de novembre prochain, l'on ne procède pas en priorité à la réforme agraire, des hordes de paysans sans terre risquent de déferler du sud vers l'Amazonie. Ils détruiraient encore plus de forêts. Malheureusement, les lopins qu'ils défricheraient seraient inéluctablement stérilisés par l'érosion
en moins de 5 ans. La solution ne passe donc pas par le déboisement et la destruction de l'Amazonie. C'est ce qu'avait compris Chico Mendes, c'était le sens du combat qui l'a mené jusqu'à la mort. Je veux continuer la lutte de Chico. Je veux continuer à défendre tout ce qu'il défendait. Je vais tout faire pour les empêcher de détruire la forêt. Parmi ceux qui ont repris le flambeau de la lutte de Chico Mendes, il y a Julio, son remplaçant à la tête du syndicat des Seringueros. Il sait qu'il est condamné à mort lui aussi. Il y a à peine un mois et demi, il a échappé de justesse aux balles des pistoleros dans une embuscade. Pourtant, rien ne l'arrêtera. La mort de Chico Mendes a renforcé notre détermination parce que le monde entier a reconnu la valeur de son combat et celui de tous les Seringueros. Sa mort a donc servi notre cause. Aujourd'hui, le monde entier veut défendre la forêt amazonienne. Je promets, par le sang de notre compagnon Chico Mendes, de continuer son travail. Pour montrer à nos ennemis qu'ils ne vaincront jamais en faisant taire la voix des Seringueros. Chico Mendes, où que tu sois, ne doute pas. Même s'ils t'ont réduit au silence, ils n'ont pas détruit tes idées. Ta pensée continue de vivre en nous. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. Le mois prochain, 52 sur la Une vous proposera Bon baiser du Kremlin. C'est un grand reportage sur l'Union soviétique à l'heure de la perestroïka, réalisé par Jacqueline Dubois. Jacqueline Dubois est l'une des très rares journalistes capables de parler le russe et le chinois sans l'ombre d'un accent, et le français avec une légère pointe d'accent à la fois russe et chinois. Bon baiser du Kremlin est un voyage dans l'Union soviétique insolite. Union soviétique où l'on découvrira un chirurgien richissime, déjà surnommé le milliardaire de Gorbatchev, des travailleurs et des intellectuels qui osent, pour la première fois depuis la fin du stalinisme, critiquer ouvertement la nomenclatura, les nantis, les corrompus d'un régime qui au départ se voulait pur et dur. C'est aussi le retour au pays d'une ancienne russe. Jacqueline Dubois a connu la pire période stalinienne, a fui avec sa famille. Elle redécouvre la Russie sous un jour nouveau. Mais la parole retrouvée suffit-elle à contenter le peuple? Vous le saurez le mois prochain en regardant Bon baiser du Kremlin dans 52 sur la Une. Bonsoir.